Et salut les amis, c'est-à-dire 360, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale de concessionnaire agricole, puisqu'aujourd'hui on ne présente pas un tracteur, même si pour l'occasion j'en utilise un que je n'ai pas encore pu présenter. Mais aujourd'hui on va se baser sur une faucheuse John Deere, une Moco, enfin la série Moco 956. Donc c'est une faucheuse qui fait 4 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Une faucheuse. Tiré et équipé en fait pour automatiquement faire des andains. Donc je voulais vous la présenter parce qu'elle avait franchement une particularité qui est très pratique, c'est qu'en fait elle vous obéit au doigt et à l'œil, si on peut dire, puisque en fait vous pouvez la guider, vous pouvez la déporter en fait grâce au vérin et en commandant à la souris ou au joystick, vous pouvez la déporter aussi bien à gauche qu'à droite. Donc on va en profiter pour faucher un petit peu ce champ-ci pour que je vous présente un peu l'engin. J'espère qu'au passage vous avez apprécié l'introduction. Donc là, vous pouvez voir, je la baisse. Malheureusement, le défaut que cette faucheuse a, c'est que qu'elle soit relevée ou baissée, ben, en fait, ça n'influence pas la façon de faucher, malheureusement. Bon, on l'active tout simplement avec n'importe quel, enfin, avec le bouton habituel. Et ensuite, hop, on fait clic droit, et hop, comme vous pouvez le voir, hop, elle se déporte à gauche et à droite. Donc je vais aller voir, je vais la déporter à gauche, et puis elle va se déporter toute seule comme une grande. Elle va rester à gauche. Regardez, hop, et elle fait automatiquement des andes. Alors je trouve franchement cette faucheuse très très pratique. C'est vraiment pour faire les bords de champ. Et ici on est sur la ferme Limousine. Franchement c'est une très bonne map, une très très belle map que je vous recommande. Par contre attendez, hop, je me déporte un petit peu, voilà. Vous voyez, le terrain suit. Elle suit et il n'y a pas de latence. Franchement ça fonctionne très très bien. Il manque plus qu'une petite faucheuse à mettre à l'avant et on va dire le compte y serait, mais bah non, franchement ça fait le taf. C'est une belle petite faucheuse que je vous conseille. Elle fonctionne très très bien, elle fait des andains comme vous pouvez le voir et ils sont pile poil pour n'importe quelle andaine, enfin pour n'importe quelle presse ou en sileuse. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le tracteur peine un petit peu à la faire fonctionner. C'est un tracteur de 120 chevaux, c'est un John Deere aussi, c'est un 3650. Un beau petit tracteur, franchement, là, au passage, comme vous pouvez le voir, mais on n'est pas là pour présenter le tracteur, donc c'est un tracteur qui peut être aussi équipé d'un chargeur frontal, on peut le voir. Mais au niveau de la faucheuse, comme je voulais vous montrer, ben, je pense que j'ai tout montré au niveau de la faucheuse. Je vais vous montrer un petit peu au niveau en magasin pour voir ce que c'est. Et aussi, je vais vous montrer quelque chose, c'est que. Donc attendez, je vais aller dans mode, voilà. Dans faucheuse. Alors, le. Question que je me pose, c'est que vous avez en fait deux faucheuses. Alors j'ai essayé de voir la différence, j'en ai vu vraiment aucune. Donc on a la 956 Moco et la 6 enfin, ça, je veux dire, c'est les deux mêmes machines, je ne comprends pas la différence. Et elles font exactement les mêmes choses. La seule différence pour moi, ce serait juste la couleur en fait. Parce que celle-ci est un peu plus terne par rapport à l'autre. Donc regardez, je vais acheter celle-ci. Je vais acheter un autre tracteur au passage pour vous montrer. C'est plus pratique. Hop, on prend l'Hurliman. On saute dedans. Donc, vous voyez. Et comme je le disais, si on regarde bien, celle-ci est exactement la même chose. C'est juste que c'est la couleur qui change, en fait. Donc, si vous regardez, je fais le tour. Vous allez voir, il n'y a aucune fonctionnalité à l'extérieur, enfin, activable à l'extérieur. Et si je l'attache sur le tracteur, ben, vous verrez, ça fera rien non plus. Donc, elles ont des prix différents. Bon, c'est 9000 euros. Comme vous avez pu le voir dans le magasin, et celle-ci c'est 18 000. Donc bon, si vous avez envie de mettre un peu plus cher parce que celle-ci est plus belle, bah, c'est à vous de voir. Donc je vais monter dans le tracteur et comme vous pouvez le voir, bah, on peut juste activer et c'est tout. Côté gauche, enfin le 6, ça c'est pour l'autotracteur, donc ça n'a rien à voir. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas plus de commandes, c'est gauche ou droite. Donc, comme vous pouvez le voir, ça change strictement rien. Elles ont la même largeur, les clignotants fonctionnent tous les deux. Voilà. Donc bah c'est tout pour cette petite présentation, ce sera un truc assez court, hein, étant donné que la machine bah, fonctionne. Elle est bien détaillée, comme je l'ai dit, enfin, j'ai rien grand chose à dire à part télécharger-la et essayer-la, parce que franchement c'est une machine à mettre dans sa concession. Elle fonctionne en tout cas très très bien. Je vais même aller un petit peu en dessous pour voir. Hop. Ils ont même pensé à mettre des autocollants, tiens, ça j'avais pas vu. Ouais non, franchement c'est une machine à tester. Une machine à tester et à avoir dans sa ferme. Ou du moins, si vous avez envie de faire une ferme à thème avec de la marque John Deere, bah franchement, là, vous avez ce qu'il vous faut. Vous avez une petite faucheuse bien sympathique, pas trop chère. Bon, celle-ci est 18 500, tandis que l'autre est à 9 000. Mais elles ont exactement les mêmes fonctionnalités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était ADR360. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.
C'est tout et à plus, salut!